Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Lunishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Vefani et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étions à Sechet Yevamot, Perek Gimel Mishnah Hey. Shlosha Achin Shneimen Nesuin Shte Achayot, Vechad Mufne. Met Echad Mibale Achayot, Vasaba Mufne Mahamar, Vachakach Met Achiv Vacheni. Bet Shama Yomrim, Ishto Imo, Vala Tese Mishum Achotisha, Bet Ilal Omrim. מוציא את אשתו בגט ובחליצה, ושתחיז בחליצה. זוהי שאמרו, אוי לו על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו. On continue les Mishnayot avec les histoires des trois frères et deux qui sont mariés à deux sœurs. Ça va être un sujet qu'on va tirer encore pour dans trois prochaines Mishnayot, il y a encore cinq cas de figure qu'il va falloir intégrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas type, souvenez-vous, comme ça, ça va être facile pour parler entre nous, comme ça. On aura plus en rappeler toutes les histoires. La famille, on connaît bien les enfants d'Yaakov, cette fois-ci on va prendre Reuven, Shimon et Yosef. Pas les deux, je préfère. Comme ça, on distingue bien qu'il y a les deux et le troisième, d'accord? Le troisième qui est complètement distinct. Donc on a Reuven, Shimon et Yosef, qui sont... Alors il y en a deux qui sont mariés à deux sœurs. Reuven, Rachel, Reshresh, et Shimon avec Léa. Ok? Et après on va voir selon le cas, on va parler de ça constamment. Ça, c'est d'abord les données de base. Une halakha maintenant à introduire, c'est l'histoire de Kiddushei Ma'amar. Selon la Torah, lorsqu'une femme tombe en Yiboum, qui a son beau-frère, donc qui doit la marier, alors pour la marier, il n'y a pas besoin de faire une choupa, il n'y a pas besoin de lui donner une bague, il n'y a pas besoin de l'acheter, ni de lui dire arrête, mais écoutez, chérie. Il va avec elle et en allant avec elle, il l'acquiert. La Yevama niknet bebiya uniquement. On acquiert la Yevama que en ayant un rapport avec elle, en s'isolant. Malgré tout, Chachamim ont décrété de ne pas agir. Si c'est pas digne, tu prends une inconnue, tu t'isoles, tu vas avec elle, c'est pas... on va donner une allure, ils ont instauré de faire des kiddushin. Ça s'appelle ces kiddushin des kiddushei ma'amar. Je vous ai déjà dit, je sais pas pourquoi ça s'appelle des ma'amar, j'avais déjà vu une fois, j'ai oublié, c'est plus, mais c'est pas grave. Ces kiddushei ma'amar, en tout cas, c'est ma'amar bayevimto, que le Mahamar, donc le Mahamar, c'est de lui donner des Kiddushin pour faire lui faire un Kinyan. On lui fait comme on va lui donner une bague, et maintenant tu vas devenir ma femme, et ensuite on va s'isoler ensemble. Ça s'appelle les Kiddushin Mahamar. Alors là, c'est là où la Mishnah va intervenir. Nous, on a déjà évoqué l'histoire du Mahamar, on a déjà dit que c'était des Kiddushin qui marchent que au Midera Banan, c'est instauré par les Chachamim, donc ça n'a aucune valeur du point de vue de la Torah. Selon ça, il y a plein de halakhot qui vont découler, parce que d'un côté, tu fais semblant d'avoir marié une femme, mais c'est pas ta femme mariée, parce qu'elle n'est pas devenue plus ta femme, elle était Yevama, elle t'attendait, tu lui as donné des Kiddushin, Kiddushin Mahamar, tu l'as pas plus rapproché de toi, c'est pas devenu plus ta femme. Ce qu'elle était, elle reste la même chose. Les Kiddushin n'ont pas fonctionné, mais la Torah. Selon ce principe, il y aura plein de halakhot qui vont découler. On va les évoquer dans quelques secondes, ça va être notre Mishnah. Le Chidush de notre Mishnah, ça va dire que selon Bet Shammai, lorsque tu lui donnes des Kiddushin Mahamar, elle devient ta femme. La Gemara, elle rallonge longuement pour expliquer exactement à quel niveau de femme. Ça ne devient pas vraiment ta femme, mais ça devient beaucoup plus ta femme que ce qu'elle était initialement. Soit, j'explique très très succinctement d'abord le principe. Ma femme, lorsqu'elle devient ma femme, alors on a toutes sortes de... Alors d'abord, quand elle devient ma femme, si je veux la divorcer, je vais lui donner un guet. Puisqu'elle est devenue ma femme, toutes ses sœurs et proches parents me sont interdites. La Yevama... Alors la Yevama, hein, lorsque je vais lui faire des kiddushé Mahamar, alors maintenant, elle est... excuse-moi, avant de faire avant de lui faire des kiddushé Mahamar, lorsqu'elle est, en tant que Yevama, elle a un statut, comme on a déjà dit, intermédiaire. Elle est un peu ma femme. C'est-à-dire que Midera Banan, uniquement, ses sœurs me sont interdites. Mais si je me marie avec sa sœur, en réalité, je vais réussir à me marier avec elle. Et pire que ça, la Yevama, elle va se faire éjecter, que ça va devenir maintenant la proche parent de ma femme. Ça, c'est selon la Torah, initialement. Suite à ça, on a déjà découvert, on continuera à découvrir toutes sortes de choses que Chachamim ont instauré qu'avec ton Kiddushei Mahamar, tu l'as rapproché un petit peu plus, donc ça va impliquer plus de la chôte. On a assez de données pour commencer la Mishnah. On a donc Shlosha Achim, trois frères, Reuven, Shimon et Yosef. Shnaim mem nesuin shtei achayot. On a Reuven qui est marié à Rachel et Shimon qui est marié à Léa, deux sœurs. Et ensuite, Met echad mi ba'alei achayot. Il y a un des deux qui sont mariés aux sœurs qui est mort. Reuven, il est mort, et maintenant il y a Rachel qui est en Yiboum. Alors déjà on fait le point tout de suite, le point de la situation. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Rachel,
elle peut pas, elle n'est pas préposée au Yiboum face à Shimon, étant donné qu'elle est la sœur de sa femme. Donc, elle est, de ce point de vue-là, il n'y a pas de mise de Yiboum, en théorie, elle devrait être permise à se marier avec n'importe qui. Sauf que, il y a un troisième frère, il y a Yosef. Yosef, lui, il devrait se marier avec Rachel. Donc maintenant, il doit se marier avec elle. Ensuite, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Saba Moufne Mahamar, et celui qui était libre en l'occurrence, donc on a dit Metechan mi Balachayot, un des deux frères qui est mort, c'est, on dit que c'était Rouven, Ben, Saba Moufne Mahamar, et celui qui était libre, qui n'était pas marié avec personne d'autre, il a fait le Mahamar. Il a donné le Kiddushé Mahamar à. Il a donné le Kiddushé Mahamar à la sœur, d'accord, à Rachel. Et ensuite, ce qui s'est passé, Vachakach Met Achiv Vacheni, ensuite, le pauvre Shimon, lui aussi, il est décédé, et sa femme, Léa, elle tombe aussi en Yiboum. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Devant Yosef, il y a là deux sœurs qui sont en Yiboum, comme ce qu'on avait vu. Une qui vient d'un frère, l'autre qui vient de l'autre frère. S'il n'avait pas fait les Mahamar, qu'est-ce qu'on aurait dit, vous vous rappelez? On avait dit que selon Chachamim, les deux, elles sont en théorie des préposés au Yiboum. Tu dois prendre une ou l'autre, mais quand tu prendras une, tu éjecteras l'autre. Parce que forcément, ça va devenir la sœur de ta femme. Tu ne pourras plus continuer avec elle. Ça serait Minatora. Seulement, il y a un problème. C'est que tu ne peux pas commencer à approcher une, parce que pour le moment, elle est la sœur de ta Yevama. Et si elle est la sœur de ta Yevama, c'est un petit peu ta femme. Donc chacune, elle est à la fois ta femme et en même temps aussi ta belle-sœur. C'est-à-dire ta belle-sœur dans le sens, la sœur de ta femme. C'est à la fois ta femme et la sœur de ta femme. Selon ça, il fallait lui faire la Khalitsa. Ça, c'était la Mishnah précédente. À présent, il y a une situation un peu plus compliquée. C'est que tu as déjà fait les Kiddushei Mahamar à Rachel. Yosef, il a déjà donné les Kiddushei Mahamar. Donc là, il a rapproché encore un petit peu plus. On va dire, tant qu'elle était Yevama, c'était une demi-femme. Lorsqu'il va se marier avec elle, ça va devenir sa vraie femme. Lorsqu'elle a fait Kiddushei Mahamar, c'est devenu 75% de femme, on va dire comme ça. Ouais, ça devient un peu plus, trois quarts de femme. Alors quoi? Ben, Bet Shammai Yomrim, Ishto Imo, Ve'ala Tetzé Mishum Achotisha. Ben, il nous dit effectivement, les Kiddushei Mahamar que tu as donné à Rachel, que Yosef a donné à Rachel, ont fonctionné au point que Ve'ala Tetzé Mishum Achotisha. Léa, elle va être libre à se marier avec n'importe qui. Elle est complètement. Elle a fini son. D'être posée au hiboum parce que c'est devenu la Achotisha, la sœur de sa femme. C'est-à-dire qu'en deux mots, Yosef, en donnant les Kiddushei Mahamar à Rachel, il a fait que Rachel c'est devenu sa femme. La Gemara explique que c'est pas exactement sa femme, que s'il veut la divorcer, qu'il va devoir lui donner à la fois un guet et en plus à lui faire la Khalitza. Mais en tout cas, ça ne concerne en rien le problème de Léa parce que Léa, elle s'est faite éjecter. Elle n'est plus préposée au hiboum. D'accord, ça marche? Ensuite, ou Beth Hillel Omri, mais selon Beth Hillel, non. Motsi Atishto Beget, ou Bachalitza. Il devra. Non, ils nous disent Motsi Atishto Beget, ou Bachalitza. Il va nous dire dans cette situation, il ne peut plus continuer, Yosef, à faire le hiboum à Rachel. Parce que concrètement, le Mahamar qu'il a fait à Rachel, ce n'était pas un vrai mariage. Il n'a pas réellement rapproché du point de vue de la Torah. Il s'avère que maintenant. Lorsque Shimon décède, Rachel comme Léa sont toutes les deux préposées au Yiboum devant lui. On revient au même cas de la Mishnah précédente, qu'il faut faire en théorie la Khalitsa à chacune d'entre elles, mais avec un cas encore plus compliqué. C'est que ça ne suffira même pas de faire la Khalitsa à chacune d'entre elles. À celle qui a reçu les Kiddushin, il faudra aussi lui rajouter un guet. Donc en fait, au lieu de faire juste une Khalitsa, il va devoir faire deux Khalitsa et un guet. Motsi Atishto Beget, il va devoir divorcer sa femme, c'est-à-dire sa femme, celle à qui il a fait Kiddushin Mahamar. Beget ou Bechalitza, en lui donnant le guet et en lui faisant une Khalitza. Et Veshatachiv Bachalitza est la sœur de. Et la deuxième sœur, en fait, de Shimon, la femme de Shimon, en lui faisant la Khalitza. Zoï Sheamru, c'est sur un cas similaire que Chachamim ont déclaré cette phrase. Oilo al-Ishto ve Oilo al-Eshatachiv. Malheur à sa femme et malheur à la femme de son frère. C'est-à-dire, dans plusieurs situations dans Yevamot, on va se retrouver dans des cas pareils. Où finalement on va se retrouver avec quelqu'un qui est marié à une femme, et parce qu'il va avoir une situation de hiboum complexe, il va se retrouver qu'il va devoir. Il va se retrouver sans plus aucune femme. En théorie, il avait déjà une première femme, il a une deuxième qui commence à lui entrer maintenant dans le radar, qu'il est en théorie capable de se marier, et la seule solution qu'on va lui dire, c'est au contraire de se retrouver célibataire en divorçant les deux et en les éloignant les deux avec la Khalitsa, en l'occurrence comme c'est le cas ici. Il y avait ici Rachel qui était déjà un peu sa femme. Il a même une deuxième maintenant qui vient Léa. On lui dit, ah, tu sais quoi, plus personne. D'accord? Oilo alishto, oilo alishto. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sœur. Récolte tout cela.